Nous sommes enfin dans le marché de Adjara. Aujourd'hui, ce n'est pas jour de marché, mais nous avons quelques bonnes dames qui sont en train de vendre. Nous avons de la tomate, de poisson, de l'oignon, un peu de tout. C'est après le 19h, ça c'est fait. Putain, on place ça dans l'eau, correctement. Bien fait. Très tôt, on passe pour voir s'il y a des poissons au bout des hameçons. Nous avons des gros poissons qui sortent la nuit profonde. Donc nous avons par exemple les carpes à gros écailles. Nous avons le thon, le sili et puis d'autres. Et nous venons de notre promenade sur la rivière Noire. Les bonnes choses ne durent jamais. Nous sommes à la fin de notre parcours. Nous allons rentrer tranquillement et vous souhaite bon vent. Nous sommes à Louo sur le site d'extraction du sable de la lagune. C'est une activité qui permet aux populations riveraines de Louo de subvenir à leurs besoins. Parmi elles, parmi ces populations, nous avons aussi des pêcheurs, parmi elles, nous avons des démarcheurs du sable. Le monde des animaux, le monde des esprits et la sensibilité. Donc vous voyez, je donne à manger aux amis, les oiseaux. C'est le même amour que je partage avec les animaux. Mais les animaux que j'aime le plus, c'est les oiseaux. Vous allez voir, ils vont venir tout à l'heure, ils vont venir manger. Voilà, vous voyez, ils viennent déjà. Dans le monde des animaux, n'importe quel animal peut venir, je l'accepte. Donc, je sais que c'est un animal qui est là, mais ce qui m'intéresse, c'est le regard. Parce que moi, je lis dans le regard. Bon, peut-être dans les formes, ça vient, mais ce qui est plus important pour moi, c'est le regard. Vous voyez là que je lui ai donné le titre Essien, c'est dans notre langue, Essien. Et si on vous dit c'est dur, c'est strong, c'est fort, on vous dit regard. Donc le regard est dense. Donc son nom c'est regard dense. Le regard est dense. Moi je parle du synergisme, le synergisme pictural. C'est un mélange de couleurs dans lequel il faut plonger le regard à fond pour sortir la vraie image qui l'incarne. C'est-à-dire ce qui est essentiel. Alors, vous voyez là, il y en a plusieurs là.
Bonjour Zunt. Alors donc on est dans l'atelier de Zunt ce matin et je crois qu'il va se présenter pour nous dire quel est son travail, quelle est sa démarche artistique. Voilà, c'est Zunt, je m'appelle Zunt. Dans Philippe, Zunt est mon nom d'artiste. Je suis un artiste peintre sculpteur. Voilà, aujourd'hui vous êtes dans mon atelier et vous voyez déjà ce que j'ai fait comme boulot et la peinture comme sculpture. Mes amis, bon retour à vous. C'est une synthèse qui est pour moi devenu un instrument de travail parce que je vais utiliser la ligne qui a servi à construire la synthèse pour détendre le vêtement, pour réaliser une lunette. Juste une ligne dans une barre de fer qu'on peut tortiller, qu'on peut sculpter, voilà, à volonté. Donc je vais juste faire deux nœuds dans ce bar de fer qui va devenir quelque chose de très important finalement. Deux nœuds rapides. Voilà, ça y est. Et donc, quand je fabrique des lunettes comme ça, c'est vrai que c'est un peu rigolo, mais en même temps, ça permet de voir certaines choses jusque-là qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, ni avec nos lunettes fabriquées dans. Voilà, qu'on achète sur le marché ou que nos opticiens nous prescrivent. Voilà, pour moi, c'est des lunettes pour voir des choses. Qu'on ne peut pas vraiment voir aussi facilement. Voilà, je suis devant quelques dessins inspirés des formes géométriques. Je travaille à partir des formes géométriques. Mais ce n'est pas que des formes de géométrie, parce que les formes géométriques sont raides.
Donc j'essaie de les animer, mais en utilisant des lignes dessinatrices. J'appelle ça des lignes dessinatrices, des lignes de force qui créent des tensions entre les formes et qui les associent ou les dissocient. Donc il y a cet assemblage de formes qui crée l'ambiance et le dynamisme. Voilà. Moi c'est Ezekiel Miromain, vous êtes dans l'atelier de Ezekiel Miromain, alias Miromès. Donc je vous invite à y entrer dans mes travaux. Je m'explique beaucoup de notre histoire, de notre passé. Je fais ressortir les vraies valeurs dont nous avons vraiment besoin aujourd'hui pour pouvoir évoluer. Donc dans mes travaux, vous allez souvent voir la présence de cet instrument-là. Ce sont des canottes vides. Au fait, je les récupère pour les insérer dans mes travaux pour créer des personnages dans mes sculptures. Donc mes sculptures sont souvent composées de bois. D'accord, de bois brûlé que je récupère dans la rue ou sur des chantiers abandonnés et tout. Donc les canettes représentent la tête de mes personnages. Et les kori, qui est la première monnaie africaine, tient lieu des yeux de mes personnages. Donc j'essaie de penser de racler un peu le bois pour le rendre un peu lisse. L'œuvre que vous voyez ici et qui est finie est intitulée le prêtre du Fa. Le prêtre du Fa, c'est celui-là qui se charge de l'oracle dans notre tradition africaine. Donc, que ce soit le passé, le présent et le futur, il essaie de décrypter cela à travers le Fa. Le Fa est le moyen par lequel le prêtre invoque la divinité Orumila, dieu Yoruba de la sagesse, des prophéties et de l'éthique. Le Fa est un système qui permet aux humains de communiquer avec les divinités et les défunts. Il existe 16 signes de Fa qui, combinés entre eux, donnent 256 signes différents. Les signes du Fa sont liés à l'histoire, à la mythologie, aux faits de société et comprennent d'innombrables prophéties et enseignements. Après la consultation, le prêtre détermine les conditions à tenir, les sacrifices et les offrandes. Nous sommes au centre culturel Ouadada et c'est pour rencontrer l'artiste Klika Satyonet. Thank you.
J'ai mes objets de récup que j'ai stocké là et en même temps je travaille là. Ça c'est une installation que je n'ai pas encore finie mais que je suis en train de monter. Le pas des ancêtres. Donc j'ai hérité et le savoir-faire de cette famille, ce qui peut permettre quand même de toucher facilement ce que c'est que le métal. Comme vous le constatez, il y a un assain, et l'assain, ça représente un peu les ancêtres. Je fonctionne avec tout, rien, tout est à recycler, il ne faut pas jeter les choses, il faut chercher à les recycler pour leur redonner une autre vie, comme vous le constatez d'ailleurs. Au niveau des œuvres que vous voyez. Là, actuellement, vous voyez une installation. C'est une installation pour faire un contraste entre les fidèles d'une église et le prêtre. Retour à la source, parce que aujourd'hui, nous remarquons que la jeunesse ne veut pas entendre parler de la tradition. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent où ce n'est pas la médecine moderne qui doit régler. Il faut forcément aller à la tradition. Donc ici, vous avez un visage. Le soleil d'aujourd'hui, un visage de la jeunesse qui va puiser dans la calebasse de la tradition pour pouvoir régler un certain nombre de problèmes que nous avons aujourd'hui. Ici, vous voyez un autre masque que j'ai intitulé Viagra. Bon, des fois, moi, j'utilise les bois aussi comme le support pour fixer les masques dessus. Et pour moi, quand je brûle les masques, les bois là, c'est aussi une façon de les purifier à ma manière. Je l'ai fait depuis septembre 2005 et je dois la poser bientôt sur ce support encore pour en faire une autre œuvre d'art. C'est la brésilienne qui continue dans le temps, qui traverse le temps. C'est un arbre que la nature m'a sculpté. C'est un animal qui a eu une balle de braconnier et qui tord de douleur. C'est quand nous perdons un des deux jumeaux ou un des trois qu'on dit Eyinakeme. Eyinake Dagbe, c'est-à-dire il n'est pas mort, il est allé chercher du bois et il reviendra. Je fais la récupération des capsules devant les buvettes. Chez lui ici, les matins de voler à 6h comme ça et puis je reviens à la maison. Maintenant, je reviens chez moi et puis je travaille comme ça, comme si je m'amuse. Vous voyez? Donc je pèse les capsules. À l'aide d'une corde, c'est ça. J'essaie de mettre les cordes entre les capsules. Et puis j'essaie de les tâcher. C'est comme ça. Et puis après avoir tâché, je plie les capsules sous forme de courrier. Voilà. Et ça ressemble à une courrie et c'est sur ça que je travaille. Et chez nous, les jumeaux bénéficient d'une grande considération, donc parfois, même s'ils commettent des bêtises, les gens ont peur de les punir par crainte de Dieu, parce que chez nous ici on dit que Arovi et Foudou et Foudou.
Le prêtre du Fa prépare les offrandes et les sacrifices qui sont liés au signe du Fa précédemment obtenu. Pour les offrandes, il utilise du pain, des biscuits, de la cassa, des fruits, etc. Je suis un peu plus de temps.
Pour le sacrifice, le prêtre utilise deux coqs auxquels il fait boire de l'alcool local appelé sodabi. Thank you.
Put your feet on me, my boy.